Dame missionnaire, c'est plein diable. Craser mariage dans l'église. Dame missionnaire, c'est plein diable pour craser mariage dans l'église. Je reprends une troisième fois. Dame missionnaire, c'est plein Satan le diable pour craser mariage, petit bon Dieu, dans l'église. Bonjour. Bonsoir, salut, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, Saint-Esprit rentre la caille nous. Saint-Esprit rentre la caille nous, quel que soit côté, nous y est dans le coin monde là, nous avons l'enseignement ça. Soit sur le groupe de l'école de Dieu en Jésus-Christ, dirigé par le Saint-Esprit, ou bien sur YouTube, dans le cours de révélation biblique, ou bien dans l'école de révélation spirituelle. Donc, je dis à c'est un enseignement très spécial, ça. Cet esprit vient pour nous à travers moi-même. Comme d'habitude et comme toujours, il pourra utiliser bouche moi, tant qu'on micro, tant qu'on reporter, li, et puis pour lui enseigner nous, former nous, parce que c'est un enseignement qui a mené nous dans le ciel. Selon Osée 4, verset 6. Et les pagains révélation de la saine doctrine, eh bien, l'église là, moi-même avant qui formait l'église là, eh bien, nous sans maturité spirituelle. Et c'est une raison qui fait la empêcher nous sauver. C'est une raison qui fait tout, n'a détruire les pagains révélation. Donc, les Osée 4, verset 6 dit, Saint-Esprit a parlé, dit, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance, c'est comme s'il dit, mon église est détruite parce qu'il lui manque la révélation. Et bien, c'est ça que fait dans Proverbe 29, verset 18, il parle du quand l'église, quand il n'y a pas de révélation, l'église n'a pas de maturité. L'église n'a pas de fondement. L'église n'a pas de racine. Et bien, nous connaissons ses objectifs. École de Dieu en Jésus-Christ, dirigée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par pasteur Olesti, ce n'est pas par docteur Olesti, non. Pasteur n'a pas qu'à diriger l'Église. Docteur n'a pas qu'à diriger l'Église. Son seul être qui a dirigé l'Église, il est le Saint-Esprit de Dieu. Et vrai nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur n'a pas qu'à diriger l'Église. Ça n'a pas existé, non. Pasteur pas qu'à diriger l'église. Il est trop petit pour ça. Yes. Parce que l'église, c'est révélation qui mène l'église. Et qui est-ce qui bâille révélation? Sous révélation, c'est Saint-Esprit. Donc, on pasteur qui pense qu'à diriger l'église ou trompeau. Ou trompeau. Et réveillez-vous parce qu'on a dormi. Et dans rêve. Eh bien, petit sujet non, à ce soir, c'est qui s'allie? Dame missionnaire. Dame missionnaire, c'est plein diable pour écraser mariage petit bon Dieu dans l'église Jésus-Christ là. Mes amis, on ban l'église pour me pas dire tout pour me pas dire tout à moins que l'église a fait couvert porte li à moins qu'elle fait couvert porte li bon un an ou deux ans peut-être ou carwel pour qu'on dame missionnaire. Vous comprenez, mais depuis la pointe dans 3, 4, 5 ans, vous commencez à attendre, vous avez une dame missionnaire, vous formez un groupe d'âmes missionnaires qui anti-biblique, anti-biblique, qui veut dire, li contre la volonté de Dieu, li contre la parole de Dieu. Parce que l'on dit dame missionnaire, on essaie de définir, nous allons essayer de définir le mot dame missionnaire. Donc, dame, ça s'écrit D-A-M-E. Et missionnaire, ça s'écrit M-I-S-S-I-O-N-A-I-R-E. Dame missionnaire. Donc, l'on dit dame missionnaire, ça signifie quoi? Dame missionnaire veut dire qui ça? Dame, pourquoi? Dame veut dire, en résumé, ça ne parle pas en pile, dame veut dire
une femme mariée. Donc, dame de dit une femme mariée. Donc, ça, nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre ça pour les gens qui ont une idée de dame missionnaire dans l'église, pas vrai? Une femme mariée. Yeah, c'est ça qu'il faut toujours demander. Pour entrer dans le groupe dame missionnaire, il faut qu'on marie. Faut qu'on marie. Et en pile, les gens, elles forcent marier sans qu'ils soient prêts et elles forcent marier pour qu'ils entrent dans le groupe dame missionnaire. Qui sont des hommes. Et l'on dit missionnaire. Missionnaire, c'est un adjectif. Donc, missionnaire, c'est l'adjectif de mission. Missionnaire, c'est l'adjectif de mission. Qui signifie qui ça? Qui signifie son monde religieusement parlant, son religieux ou bien religieuse qui gagne une mission spéciale. Spéciale, très spéciale. Donc, dans la signification sans mission, il y a un petit genre vaste. Vous comprenez, il y a un petit genre vaste. Mais, lorsque la mission, terme qui domine la mission, qui est à la base, ou est prédication, ou est sermon, que fi pas fait. Que fi pas fait, la Bible, baba et fi doa, baba et fi autorisation, ça, pour prêcher la parole de Dieu. Et nous prenons ça à travers la Bible. Nous songeons premier côté, fi tapissé et prêché. Il était pour un chèque. Elle était tombée, elle était échouée. C'était dans Genèse 3, verset 3. Commencez depuis dans verset 1 pour prendre contexte ça, et puis verset 3. Donc, fille va prêcher. Mais nous remarquons dans l'église, il y a un gros désordre qui a fait. Qui gros désordre qui a fait? Mesdames, vous entrez, vous formez un bagage dans l'église avec les dames missionnaires. Mes amis, regardez ces bagages qui entrent dans l'église. C'est plein de diable là, oui. C'est plein de diable là pour l'église qui n'a pas progressé, pour l'église qui n'a pas avancé. C'est plein de diable là. Par exemple, l'on dit dame missionnaire. Son plan diable là, son bagage diable là mettait sous pied pour craser mariage, même dans l'église Jésus-Christ. Il oui. Faut nous caler genoux, faut nous intelligencer. Nous trop naïfs, mesdames. Nous trop naïfs, messieurs. En pile fois qu'a conseillé madame nous entrer dans groupe d'âmes missionnaires. Nous trop naïfs mesdames, en pile fois qu'a fait discussion à mari nous pour nous entrer dans groupe d'âmes missionnaires. Et nous trop naïfs mesdames, en pile fois n'a forcé fiancer nous pour nous marier avec nous parce que nous envie entrer dans groupe d'âmes missionnaires, nous besoin entrer dans groupe d'âmes missionnaires pour qui ça? Parce que yo sorti en pile, yo connait pile province. Yo connait en pile province, yo connait en pile pays. Yo konnen pile nation l'autre nation en pile fois nous forcer n'a bay fiancé nous pression hein n'a pressurer pour le courir marier avec nous pour nous ka konn en pile province en Haïti pour nous ka konn en pile province Canada pour nous ka konn en pile province et Jamaïque mon ka vive Jamaïque pour nous ka konn en pile province en France mon ka vive en France etc. pour nous ka konn en pile état pour moun ka viv America, America, ka viv United States of America, pour moun ka viv aux États-Unis. Est-ce que nous comprenons? Donc, mes amis, nous trop naïfs. Cet esprit, bon Dieu, à travers moi-même, dit nous trop naïfs. D'ailleurs, j'en sais pas. Moi-même, pas enseigné. C'est le Saint-Esprit qui enseigne au travers de ma bouche. Au travers de moi, qui n'est que microphone. Je ne parle pas de ton micro. Je ne sais pas. Parce que la Bible dit, c'est dans Éphésiens 4, c'est Jésus qui est tout dans yo. Jésus, apôtre, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. C'est dans lui-même, c'est la source don ministériel. Ça yeah. Ça veut dire pas de monde qui est apôtre que Jésus, pas de monde qui est prophète que Jésus, pas de monde qui est évangéliste que Jésus, pas de monde qui est plus pasteur que Jésus, pas de monde qui est plus docteur que Jésus. Attention. Ça veut dire, c'est même gens, pas de monde qui est sagesse, mon Dieu. Donc, je vais enseigner.
Donc c'est Saint-Esprit, bon Dieu, qui c'est Jésus-Christ qui enseignait à travers moi-même. Je reprends. Jésus utilise un petit iota, pas même dans tout apôtre là, non, il y a un petit iota dans un ras seulement. Il y a un petit iota dans le père, dans le prophète là, un petit iota dans le E, dans l'évangéliste, il y a un petit iota dans le père, dans le pasteur, et il y a un petit iota dans le DEA qui c'est docteur. Ça veut dire, c'est pas moi qui dis non, il y a fait 4 après. Il Éphésiens 4 après. Jésus, c'est lui-même qui source. C'est lui vrai apôtre là. C'est lui vrai prophète là. C'est lui vrai évangéliste là. C'est lui vrai pasteur. C'est lui vrai docteur. Et ceci par excellence. Eh bien, au travers de moi-même, cet esprit, mon Dieu, a dit nous trop naïfs, mesdames. La Bible, pas un côté dans la Bible là. Ouais, Jésus a peut dévouer fille à la mission. Son seul côté dans la Bible là, dans toute mission Jésus, yo, son seul côté dans toute mission, son seul côté dans la Bible là. Jésus voue fille dans mission. Seulement dans Luc chapitre 10. Seulement là. Seulement dans Luc 10, il voue fille dans mission. Et l'élevé est fini la mission, si on a bien gardé dans Matthieu, dans la première mission qui est dans Matthieu 10, pas vrai? Ou bien Matthieu 10, une mission dans Matthieu 10, ou bien Marc 3, Marc 6, ou bien Luc 6, vous comprenez? Ou bien Luc 9, ou bien Luc 10, ou bien Matthieu 28, verset 18 à 20, ou gagner Acte chapitre 1. Tout c'est mission. Mais on a remarqué, le bon Dieu a voué 12 apôtres. Gon mot, on a pour mot ça, il me dit prêcher. Mais soit regarder seul côté, bon Dieu t'a voué 70 disciples, ça veut dire dans mitan t'a gagné garçon, t'a gagné fille. 60, il précisait 72, 70 autres disciples. Alors, moi, j'ai une version biblique qui mettait 72 disciples. Il n'y a pas 72. Toute Bible, version biblique qui mettait 72 disciples dans Luc 10, il a suivi l'église catholique. Il a suivi l'église protestante. Yeah, parce que qui dit catholique dit protestant. Qui dit protestant dit catholique. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Vous comprenez? C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Hein? Donc, pour professeur, moi, professeur, elle me dit professeur maintenant, alors, en façon de parler, il n'a pas été mon professeur, non, mais il m'a parlé de professeur philosophie, ça c'est langage créole là, professeur, moi. Même j'en ai dit boss, moi, boss, pam, ami, pam, partner, pam. Donc, pour professeur, et philosophia et frère Terril qui normalement aux États-Unis, c'est comme si on a dit it's six of one and half a dozen of the other, it's six of one and half a dozen of the other, ça veut dire c'est blanc bonnet et bonnet blanc, et comme si vous étiez créole c'est même terrain, c'est secret comme à dégoûter, oui, essayez de comprendre, ça veut dire attendez bien, oui, attendez bien, Jésus pas voyé fille à la mission pour aller prêcher. Son seul côté nous est Jésus voué fille à la mission, mais le pas de voué à aller prêcher, c'est dans Luc chapitre 10 seulement. Qui ça le voué à le faire? N'a pas regardé bien dans Luc chapitre 10 là. Clair. Il voué dans quoi dans verset 9. Il voué il dit yo, il va annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire quoi? Autrement dit, il voye fille dans mission pour évangéliser, mais il pas voye fille à prêcher. Il y a une différence entre prêcher et évangéliser. Il pas voye fille ni à prêcher ni à enseigner, mais au cas évangéliser. Et l'évangéliser a pas veut dire ou son évangéliste. Non.
ou ka ou evangeliste, mais ou son evangeliste, ah, so, si vous voulez utiliser le terme, mais l'adjectif là, ou son evangeliste spirituel, mon pas un evangeliste ministériel, ou pas qu'un responsable ministère d'évangéliste, parce que cinq dominicés, il n'y a pas pour fille. Donc, ou son évangélisatrice, mon pas un évangéliste, sans l'adjectif. Est-ce que vous comprenez? Donc, gardez bien pour elle, la voix est monsieur, yo, 12 apôtres, yo, hein? Et même 11 apôtres, tout, nous jouons 11 apôtres, mission 11 apôtres de côté, nous jouons mission 11 apôtres dans Matthieu 28, verset 18 à 20, nous jouons mission 11 apôtres encore dans Actes chapitre 1. Pas vrai? Comprenez? Elle dit dans verset 8, à partir du verset 8, Jésus dit au vous recevrez et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ou qui m'a dit à Jérusalem, donc dans toute extrémité terre, c'est comme c'était dit partout dans le monde. Vous serez mes témoins. Jésus dit 11 apôtres, vous serez mes témoins partout dans le monde. C'est même parole ça, il dit dans Matthieu 28, 18 là, allez faites de toutes les nations. Et comme c'est dit, de tous les pays du monde, des disciples. OK? Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire les baptisants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. OK? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous remarquez? Dans mission 11 apôtres là, mission ça, Matthieu 28. Allez faire de toutes les nations des disciples baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes non seulement baptisés. Est-ce qu'on pense en fille, entre nous, avec bon sens, bon Dieu, ben nous? Est-ce que si on fille avec période de souli, il a baptisé? Est-ce que si on fille à période de souli, il a entré dans l'eau pour la, ou bien dans la piscine, comme la Bible dit, il faut remplir l'eau, il ne doit pas arriver, mais il a une piscine, et puis pour la baptiser, moun, pendant une période de souli, mes amis. Pendant les menstruations sur lui. Bon Dieu, pas vrai, fille, ni baptisé. Ça veut dire, mission qui est dans Matthieu 28, 19, il y a plus de monde qui compte tromper, qui dit, 18 à 20, alors, Matthieu 28, 18 à 20, il y a plus de monde qui compte tromper, qui dit, mission ça a fait pour tout le monde. Surtout les catholiques. Il faut qu'on ait mission ça a fait pour tout le monde. Regardez, l'op le dictionnaire, parce que moi, j'ai toute version biblique. Moi, je dis toute version biblique qui existait, alors bien entendu, version biblique chrétienne, parce que j'ai une Bible baptisée dans même, j'ai une Bible, c'est pas diabolique. Mais version biblique chrétienne, j'ai tout net, tout plus gros dictionnaire biblique, j'ai tout net, alors chrétienne, bien entendu. Ok? Donc, m'a parlé des versions bibliques chrétiennes. J'ai tout. Ça veut dire, j'ai une Bible, moi, pas besoin, cap détourner. Cap déranger foi à bon Dieu. Donc Matthieu 28 18 20 mission ça a pas pour fille même du tout. Allez faire de toutes les nations des disciples. Depuis n'a pas là faire des nations des disciples. On gain prêcher là-dedans, pas vrai? Gain évangéliser, gain prêcher. Les baptisants, on va baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth et enseignez-leur clé là. Enseignez-leur. Et vous connaissez la Bible pas fait enseigner. Seigneur, vous savez tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même j'ai tourné dans Actes, chapitre 1, à partir du verset 8. OK? Avant Jésus monter, eh bien, là encore, même mission ça encore, mission ça pas pour fille. Est-ce que nous comprenons? Matthieu 10, mission ça pas pour fille. Luc 10, I'm sorry. Luc 9, mission ça pas pour fille. Marc 6, 7 à 13, mission ça pas pour fille. Est-ce que nous comprenons, etc. Qui mission qui profite seulement en grain? Luc chapitre 10. Luc 10 seulement qui profite. Et la donne, ou après dans l'autre chose, les missions 12 apôtres, Jésus toujours dit prêcher. Pourtant, les livres dans Luc 10, il pas dit prêcher. 12 apôtres, pas là non, c'est 70 autres disciples, plus 12 apôtres fait 82. C'est même 70 disciples ça qui pral virer d'eau quitter Jésus dans Jean chapitre 6 66. Les paroles là étaient trop dures. L'évangile la vérité a blessé, il pas qu'attendre et puis 70 disciples ça, ils étaient virés d'eau aller. Et puis c'est 12 apôtres
qui pas fait partie 70 disciples qui t'ai été. Donc mes amis, moun kap écrit 72 disciples dans version Bible, pour qui 72 disciples là, la Bible connaît 70 disciples, pas qu'il a fait 72, 70 disciples. OK? Donc mes amis, les fini, il préciser. La Bible précise ville. Ali Luc chapitre 10 pour bagaille, c'est ville, ville. Il parle de ville. Bon différence, il pas parler de province. Attention, où joignent des villes et des villages à l'intérieur, OK, de une province. Mm-hmm. OK, où joignent en pile ville avec village en dans une province. Jésus pas de voyer mesdames en province. Pour mesdames en Haïti cap pédé à la mission Jacmel au Cap, au Caï, etc., etc., Jérémie al flané dans ville province au besoin contre province. Bon Dieu pas jamais voyer fille dans mission en province. Bon Dieu pas jamais voyer fille dans mission dans état pour moun qui dans États-Unis. Bon Dieu te voyer mesdames yo dans Luc 10 dans mission dans ville, ça veut dire qui ça c'est pas que fille a pas cal dans mission du tout. Attendez bien, oui, mais mission pour aller a pas déranger foyer. Mission pour aller a, par exemple, si il habite Delma, OK, servante bon Dieu habite Delma, et ben il cal dans mission Port-au-Prince, il cal dans mission Pétionville, li ka annoncer le royaume des cieux et Carrefour, li ka annoncer le royaume des cieux Cité Soleil. Ça c'est des villes yoyi. OK, donc c'est des villes yoyi. Mais on fait qui quitte Port-au-Prince kal nan mission au Kay, kal nan mission Jacques Mel, ou a fait pour après gros dans désobéissance, ça pas biblique. Parce que ville par province, province par ville, yo pas dire même bagaille. On province son pays, étant qu'on pays, son territoire très vaste, plein ville, plein village là-dedans. Donc au cas fia cal annoncer le royaume des cieux, à prier avec malade, à faire route. OK? Pour Jésus, ce qu'on appelle l'évangélisation dans des villes avoisinantes, dans des villages avoisinants. OK? Mais pas dans province. Ça pas biblique, mesdames. Et c'est ça qui fait dans pile gain tant de divorces en dans l'église. Ça qui fait ça. Parce que l'on fait lever, il fin marié, la petite il quitte mari. Et puis il pourrait faire un mois, parfois deux mois, parfois 3 mois, li pral fè en province, li pral fè dans l'autre pays. Ou imagino, ou qu'on y a ou désobéi à parole qui dans 1 Corinthiens 7 verset 5 qui dit pas faire trop temps d'ailleurs, nous pas gain droit une privé nous de l'autre. Sauf ou va que à la prière, mais li dit comme ça, ou pas temps pas trop long. Ou imagino. Et pasteur même yo remet ça tout parce que yo fait un pile comme dans mission. Yo remet ça. Les pasteurs c'est dans mission même il ranger quoi pour les riches et là dans le fin riche tout. Fait mission en américain. D'où il va visiter Saint-Domingue, République Dominicaine. D'où il va visiter Antilles. Et puis pile comme mission au côté. Casser pour être fidèle. C'est plaisir pasteur ça et puis fidèle là lui-même il puis tellement besoin flâner tout. Tant que c'est touriste lié, c'est diaspora lié. Est-ce qu'on comprend diaspora pour provinciaux? Et puis qu'on y a là, même c'est dépouiller Maril, hein, pour aller dans la province, dépouiller Canet Bankli, et puis pour aller à la mission. Et puis après ça, derrière, comme il fin dépensé, foyer pour écraser. Foyer pour écraser. Parce que l'autre dit dame missionnaire, et comme je te dis, on dit l'autre façon en français, dame de mission. Et pour mission là, il y a moun qui dans l'église. L'église là tellement, parce qu'elle a tellement organisé mission. Et mission pas faite comme ça, mes amis. La Bible tellement organisé mission. La Bible tellement organisé mission. Dans une année, il y a l'église qui fait mission presque toute année. Si nous ne pouvons pas exagérer,
Il y a l'église qui fait mission plusieurs fois dans saison année. Et il y a 4 saisons. Vous imaginez, exagéré. Ça, c'est mission pour, qui est rentable, qui bat en pile l'argent, qui n'est pas biblique, qui est anti-biblique, pas vrai? Donc maintenant, et c'est titre leçon ça. Dame missionnaire, pas biblique. Ça pas plan bon Dieu, il pas dans plan bon Dieu, il pas dans volonté bon Dieu, ça c'est plan diable clairement pour craser mariage petite bon Dieu en dans l'église. Égal mesdames. Et diable a bien fait plan oui. Pour faire partie groupe ça, faut marier, c'est ça fait les dames. Faut marier. Ça veut dire faut marier pour joindre union ça pour désunir pour le transformer union en division. Mesdames, calégez-nous. Calégez-nous. Plein activité dans l'église. OK? Pas choisi, faites tout dame missionnaire. Sous besoin mariage. Sous besoin mariage. Attendez? Parce que son seul côté dans la Bible, là, moi, dis-nous, nous mettons à le vérifier d'après. Bon Dieu, t'es fait mission et puis le voyer dans des villes avoisinantes. Il te voyait garçon et fille deux par deux dans Luc chapitre 10. Il pas de voyer yo al prêcher parce que tu gen fille dans mitan yo évangéliser annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux et puis guérir malade. Pas de problème pour chasser démon, aucun problème, fi ka chasser démon, fi ka guérir malade, pas de problème ça. Mais pas ka prêcher, pas ka enseigner. OK? Donc mes amis, et calégez-nous, bon Dieu bénis-nous, bon Dieu gardez-nous, les protégez-nous, les sécurisez-nous. Pas oublier ça. Mission parfaite pour fille. Mission très éloignée, pas faite pour fille. Bien dire, mission qui fait en province, qui fait dans l'État sous États-Unis. Ou pas qu'à États-Unis pour dire au New York, pour après la mission, Florida. Ou pas qu'à New York pour avoir une mission Massachusetts. Ou pas qu'à New York pour avoir une mission, par exemple, Connecticut. Non. Il n'est pas biblique. Ça, c'est travail protestant. C'est œuvre diable pour faire. On travaille pour l'enfer. On va nourrir nous pour l'enfer. Vous entendez, mesdames? Ça va nous parler. On va nourrir nous pour l'enfer. Monsieur, nous-mêmes tout, la Bible dit ça. Il faut qu'on dirige pour Kayo. C'est au chef Kayo là. L'homme est le chef de la maison. Et ça fait moi-même anglais qui, en pile fois, moi, plus clair, plus compréhensible. L'homme dit husband en anglais. Husband, c'est comme ça, on dit mari, époux, husband. Alors, l'homme dit époux, littéralement, c'est spouse, mais husband, c'est mari. Husband, c'est deux mots qui baillent en anglais. C'est house. En, alors, dans l'anglais antique, là, il te dit pour maison, il te dit house, H-U-S. Hus et puis ben qui signifie chef. Donc c'est un nom composé. Husband sont un mot qui formé de deux, son nom composé qui formé de deux mots. Hus qui signifie maison et puis ben qui signifie chef. Donc là dit husband littéralement et comme je dit chef de la maison. Donc mesdames, messieurs, faut nous qu'à diriger madame nous. Faut nous qu'à dire madame nous non. À fait dame missionnaire ça n'est pas biblique, c'est bagaille protestant, c'est plein de diable. Pas gain à faire ça, pas gain à faire ça encore en gérer relation conjugale nous. En gérer foyer, en administrer foyer. OK? Pour nous faire bon Dieu plaisir parce que c'est ça le dit. Donc mes amis, mission parfaite pour fille. Donc dame missionnaire son bagage qui purement satanique, diabolique. OK? Mondé. Donc, calégez-nous. Bon Dieu bénis-nous. Bon Dieu gardez-nous. Bon Dieu protégez-nous. Et sécurisez-nous. La paix Jésus-Christ bah là, avec toute foi. Et que Saint-Esprit, bon Dieu, que tout le monde capte l'enseignement ça. Que tout le monde capte l'enseignement ça. Manœuvrer, gérer, administrer foi et puis bien, au nom de Jésus. Et me déclarer fruit, me déclarer progrès. Me déclarer maturité, me déclarer avancement spirituel dans toute foyer captant d'enseignement ça. Donc c'est ton courtoisie, Église de Dieu en Jésus-Christ, de concert avec l'école de Dieu en Jésus-Christ, dirigée par le Saint-Esprit. Bye bye.
À demain, si Dieu le veut, pour l'autre enseignement.